En direct avec Mickaël Pérez, joueur de Paris Casa. Mickaël, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi? Bah écoute, comme prévu, on a affronté une belle équipe du Sporting, on s'y attendait. Voilà, c'est une grosse armada avec des joueurs internationaux, beaucoup d'expérience. Et voilà, c'était un beau match, je pense. Et ils ont su mieux gérer beaucoup d'aspects de la rencontre. Et je pense que voilà, c'est une victoire méritée. On aurait pu faire peut-être un petit peu mieux et les embêter un petit peu plus. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Ils prennent les 3 points aujourd'hui et nous, on retourne au travail la semaine prochaine. Donc, du coup, objectif maintien. Est-ce que les playoffs s'arrêtent, entre guillemets, l'espoir d'aller aux playoffs s'arrête? Ah là, je pense qu'on peut absolument plus parler de playoffs. Là, ça fait un gros gouffre. Donc voilà, il faut avoir des ambitions humbles et voilà, aujourd'hui la seule chose qu'on peut espérer c'est le maintien, donc voilà, on se prépare pour ça et on va travailler toute la semaine et les semaines suivantes pour cet objectif là. T'as marqué quand même un super but, enfin, il y a deux gros buts dans ce match là, Régis et le tien, sous la barre, complètement excentré, les images en parleront d'elles-mêmes, mais tu peux nous le raconter un petit peu? Écoute, d'abord pour commencer, c'est un but anecdotique parce que le résultat fait que c'est un but qui sert un petit peu à rien. Maintenant, voilà, je suis à angle fermé, la seule opportunité que j'ai, c'est de frapper fort en une touche de balle. Elle rentre dans un trou de souris et voilà, certes, c'est un beau but, mais qui sert pas à grand chose parce qu'au final, on prend 0 points aujourd'hui. Donc voilà. Un petit mot de la fin, un remerciement à quelqu'un ou... Déjà, remerciement à France Futsal pour l'excellent travail que vous faites sur la couverture du futsal. Ça donne une belle exposition médiatique, donc merci à vous. Et voilà, et puis nous, on continue le travail et on repart. Donc courage à toute l'équipe et aux coachs et aux dirigeants pour bien terminer la saison. Merci à vous. Merci beaucoup.